un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est fouettée, qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57. C'est une mystique. Non. Incroyable, Dragon Cancel avant un kick ultra. Je lâche mon cas, je me bats. Et nous voilà de retour sur le plateau de la JVTV pour la suite de ce coffre à versus spécial 30 ans de Street Fighter avec la suite de la rétrospective. Tu t'es démute ? Toi-même, toi, t'arrache-quitte le truc. T'arrache-quitte le truc. Toujours en compagnie de Monsieur Lame pour vous parler des jeux de la licence Street Fighter. On a fait un bond dans le temps pour faire la préquelle. Ça veut rien dire, mais c'est bien ce qui s'est passé. Je me suis mute parce que je veux pas parler de ce jeu-là. C'est trop dur, Ken. Et on va se remettre dans la vraie timeline. Attention, 3, 2, 1, choqué. Street Fighter The Movie, sorti en 1995 en arcade, puis porté sur PlayStation. Regardez avec ce magnifique bison, ce Honda. Oh, c'est Honda tout huilé, ce là. Ce Honda des Maldives. Ah, il glisse. Ah là là, il est savoureux. Et le Mortal Kombat de Street Fighter, digitaliser les personnages du film. Et même les animes, quand ils sont en arrière, c'est les animes de Mortal Kombat, putain. Bah le pit comme ça, c'est un pit de Mortal Kombat, on ne sait pas pourquoi, t'as Camille qui est attachée avec les line-up du malaise. Juste derrière, c'est bien, c'est complètement bien. Et Zangief était bien, Oh, il est incroyable. C'est merveilleux. Je m'en lasserai jamais. En plus des personnages du film, deux personnages ont été ajoutés, un Gouki et Blade, hein, qui n'est pas forcément un personnage, enfin c'est un PNJ au pif dans le film. On va quand même se mettre cette introduction qui est malheureusement sans son, comme Véronique, mais qui a le mérite de faire rêver. Hein. Regardez ce Ryu. Ça c'est un Ryu Japan Expo. Toi, ça. Tu peux faire Dragon, Cancel, Tatsu. Regardez cette Chun-Li. Hop là, qui a une chope spéciale. Regardez Kylie Minogue, qui est dans le vrai costume, hein, comme ça. Ouais. Et qui a avoué qu'elle a une liaison avec Jean-Claude sur le tournage, quand même. Hein. Tout comme à quoi, fait. Elle est venue pour rien. Exactement. Oh là là là, Jean-Claude, là, qui peut résister. Cette palette de coups. Regardez ce Sagat incroyable. Et le Ken de la fête à la maison. Hein. Tiger canon partout. Ce Jean-Claude Van Damme merveilleux qui sait faire balayette, gros pied, somersault. Vous ne rêvez pas, c'est un combo qui existe vraiment dans le jeu. Et Raoul Julia, qui malheureusement, si vous regardez bien le sprite... Ouais, n'est pas là. Ouais, ça, tu m'apprends un truc. Donc, c'est pas Raoul Julia qui a été digitalisé pour le jeu. Non, c'est pas Raoul Julia qui a été digitalisé pour le jeu, puisque malheureusement, il est décédé d'un cancer, il me semble. Oh, quand tu rajoutes des crédits, juste le son des crédits. Ah ouais, là on est bien. Je sens que ça va être bien. C'est moi ou t'as pénique les crédits là ? Ouais, ouais. Je sens qu'on va être bien. Je sens qu'on va être très bien. C'est à toi de faire start. Vas-y, choisis ton perso. Moi, je crois que j'ai un Zangief, mais je suis pas sûr. Oh, le combat de gros. Attends, Zangief, vas-y, je prends le Honda de l'huile là. Je suis vraiment tête. Oh, il y a le Honda d'huile d'olive. Oh, il est magnifique. T'as vu ça ? Ah, c'est le boulot d'éclairage. Oh là là, mais ce Zangief. Regarde ce Lariat. Ah, il est tellement intestable. Ah, on peut bien écouter, hein. Ah non, attends. Oh, mais la balayette, mon gars. Ah, j'ai plein de mes poutres. Je sais même pas comment on fait les chops spéciales. Oh putain, la gueule de Scoil. Ah oh, putain. L'animation est parfaite. La regarde tous ces combos. Quasiment tout est cancelable partout. Hein. C'est merveilleux. Regarde, je peux faire bas petit pied, bas moyen pied. En fait, c'est le jeu de la générosité. Dis-toi que le jeu. Regarde, toi, saut gros point, gros point. Mais hitbox, ça fait aucun sens. Saut gros point. Tu vois, un Doskoil. Regarde, full main verte. Tu pensais je suis en danger, je suis en danger. Tu pensais pas que la main verte c'était ça, hein. Oh, laisse-moi mettre un pal driver, on rigole. Oh, ah putain, je t'ai sauté. Je t'ai cassé. Oh là là, mais ce Zangief, oh, putain, mal absolu. La typo du fight et du win, ils l'ont piqué dans une banque d'images, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Tiens. Putain, mais la main verte qui sert à rien, mon gars. Ouais, comment t'as gardé mon coup de cul. Est-ce que j'ai mon commande grab là-dessus? Oh, franchement, je ne sais pas. Le jeu se base sur la fête du slip en fait. Donc tout est free juggle et tout est cancelable partout. Donc tu fais à peu près ce que tu veux jusqu'à ce que ça passe. Putain, il est tellement invincible ce. Mais j'ai pas de commande grab, attends. Non ?
Oh, regarde, t'as vu, j'ai jugler. T'as vu? T'as vu, j'ai jugler. Tu peux jugler tout ce que tu veux, c'est la fête du regarde, slip. Regarde-moi la typo, la fonte du jeu, ils ont pris ça chez Dafont. C'est un truc. Rah, c'est tellement bien. Okay, fais start, essaye pas de me baiser bon, la gueule. J'ai fait continuer, je peux changer de perso, mais c'est merveilleux. Sawada, c'est censé être Tio, je suis dégoûté. Il ressemble à rien. Je vais prendre un boxeur, moi. Je vais complètement prendre un boxeur. Ah, je prends Capitaine Sawada. Ah, mais ce Tio du pauvre. Oh, le Capitaine Sawada que rien ne justifie. Attends, il fait quoi, Capitaine Sawada? Il avait des charges, là, ou pas? Ah, moi, j'ai une charge, hein. Ça, c'est complètement mon dash trait. Il fait quoi, Capitaine Sawada? Attends. Ok, d'accord. Il a. Ah, c'est fait long, un il peu. Il a Tatsu, ouais, il a Tatsu. Donc, c'est-à-dire qu'il a Raka? Non? Oh. Oh là là, mais. Oh, j'ai le turn around punch, regarde, turn around punch. En cross down, s'il te plaît. Oh là, mais comment tout ça est possible? Oh là là, j'ai limite. Oh, mais le headbutt, mon gars. Oh, les effets spéciaux. Ah, les effets spéciaux du headbutt. Ils les ont volés au pif, putain, ils ont volé dans la rue la nuit. Oh, mais le headbutt, il est parfait. Non, mais le FX du headbutt, il est incroyable. Regarde-moi, tu vas voir quand tu vas voir la super en haut à droite, la gueule de la super, comment elle brille. Elle est incroyable. Putain, c'est le bling total. Putain, mais j'ai la priorité sur rien avec mon chicken wing là ou quoi là? Crash, je suis tellement invincible. J'avoue. En plus, ça charge à mort. Regarde ta super, regarde ta super comme elle brille. Regarde juste la super. Oh, c'est parfait. Les étincelles sur la super. Elle Oh là, mais combien je peux en mettre là des trucs comme ça? J'ai l'impression que le moindre coup t'envoie en juggle et qu'ensuite après c'est la fête du slip. Oh putain, oh. C'est affreux, je connais aucun coup, Sawada. Sawada, donne-moi. Oh putain, mais en plus, jamais il frappe mon truc, moi. Oh là là, je peux toucher par derrière en ramassant comme ça. Ah, c'est tellement le meilleur jeu de l'histoire. Incredible. Ah, t'es un mec du street club, hein, tu peux pas. Hein. Tu peux officiellement pas perdre. Au grand mot, les grands Vandamme. Le combat final. Donc ce jeu a vraiment existé et l'idée géniale, bien entendu, de mettre l'écran de jeu devant. Putain, mais il a aucun reach le. Ah bah voilà. Ah non, mais Gaël, c'est le perso plus pété du jeu, t'es ouf quoi. Oh, c'est un Psycho Crusher. Oh là, mais impossible de toucher Gaël quand il est blessé. Ah, j'ai laissé faire son combo balayette gros pied. Aïe. Ni press nightmare. Oh putain l'animation du Sonic Boom est tellement dégueulasse. Il fait un caméa, regarde. Il fait un caméa du pauvre. C'est tellement mal pour lui. Ah, le caméa du pauvre qui fait. Putain, mais ils ont donné le costume aux passants. Oh, non, ce qui est dingue, c'est que la foule est plus réaliste et mieux animée que les persos. Regarde, mais j'avoue, la foule. La foule, elle est 4K60p, la foule, elle est incroyable. Putain, mais cette foule. Oh là, mais le somersault de Gaël, mon gars. Ah, j'avoue. Oh putain, par contre, il va pas chercher loin, hein, vraiment, hein. Regarde. Tiens, prends-moi un Duken de Belgique. Pas de dash, pas de backdash. Comment ça? On est dans la simplicité, hein. Oh, je suis complètement en danger, hein. Oh là là, mais. Oh là là, cette petite. Oh, mais ce Vandamme. Cette pose de Dream Daddy qui m'a fait là. Oh, Jean-Claude, mon Dream Daddy, c'est mon main. Oh, ça punit pour de vrai ici. Ouais, ça punit. Alors, rigole pas, c'est Jean-Claude. Hein. Oh là, mais les somersaults du mal. Oh putain. C'est moi, je t'ai fait un knockdown avec un saut petit point. Oh, mais putain, j'ai l'impression que je peux trop bondir dessus. Grave. Je te rebondis dessus avec un Devil Reverse. Oh, putain. Mais pourquoi? Putain, mais knockdown avec petit point, c'est incroyable ça. Les hitbox sont très précises. J'avoue qu'elles sont d'une générosité, les hitbox. Oh la vache. Oh là, ça tue, bien joué. Jean-Claude, hein. Jean-Claude, très très fort. C'est Jean-Claude. Ah là, cette pose de Jean-Claude, tout est bien. Jean-Claude est très très fort. Je vais essayer de prendre un Ryu. Ah, je sais pas s'il y a des color swaps possibles. Ah, je prends Blade parce que Blade il m'a l'air complètement garanti. On dirait un mec sort de G.I. Joe Blade. Oh là, mais ce. Enfin, un mec qui a cosplay. Regarde-moi la garde. Attends. Mais c'est complètement Sub-Zero dans Mortal Kombat, non? Ils ont pas des gardes comme ça, putain, dans... mais c'est censé être DJ en vrai. Tu trouves pas? Mais regarde ce Hadoken. Il y croit pas. C'est quoi comme coup spécial avec lui là?
Mais je peux faire ce que je veux. Oh là 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 là, oh là là, les boules de toutes les couleurs. Oh, j'étais complètement stun. C'est moi, tu t'es fait toucher par moi. Ouais, je me suis touché par les étoiles de ton chaos. C'est pas vrai. Complètement. La hitbox, c'est toi du chaos, mec. Attends, j'ai sorti les couteaux de mes pieds là. Je comprends pas ce qui fait Blade en fait. Oh, la puissance de ce Ryu. Qu'est-ce qui branle Blade? Ah, c'est vrai, il n'y a pas Blanca non plus. Hein, la déception. Ah, si, il y a Blanca derrière, regarde. Tu vois. Ouais, sérieux? Regarde, attends, dans les vidéos, regarde, wow, Blanca là. Ah, mais il y a Blanca. Regarde. Ah, ce chat. C'est quand ils sont en train de transformer avec des images de violence. C'est ça, c'est la violence qui transforme les gens. Putain, je comprends pas ce qu'il fait, Blade en fait là. Oh putain. Oh le shuriken. Putain, mais c'est tellement schnapps au possible. Ça c'est un street, ça c'est un vrai street les amis ça. Je comprends pas ce que fait le Blade, hein, à part de, on dit, le mec on dirait un livreur Deliveroo du futur, alors on dirait qu'il a un scooter. Je sais pas ce qu'il branle. Oh, putain, non, mais je peux renvoyer combien de boules à l'écran en fait vrai. On dirait qu'il s'est en 2V en fait le mec, tu vois les méchants d'en V avec leur casque rouge là. Ah oui, je vois quoi, complètement. T'as vu? Waouh, il a des knife-fus. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas mais tu vas... Oh what? Shop entière, bah, ah, j'ai fait une shop entière avec Ryu. Shop entière avec Ryu, je pense qu'on est bien là. Oh, je pense qu'on est très très bien. Akuma aussi, bah, vas-y, vas-y. Ah, Sagat, c'est, ça a l'air d'être mon main. Hein. Oh, Sagat. Oh là là, mais il est tellement puissant ce goût. Oh, ce FX. Oh, ce FX de ouf. Wouah. Oh là, ce tatsu enflammé. Putain, mais le Tiger Knee, mon gars! Oh là là! Oh là, j'ai mal, les shops, c'est tellement violent dans le jeu! Non, c'est pas si moche que ça! L'œil s'adapte! Mais oui, attendez, les mecs, vous jouez bien à Justice, c'est pareil, hein! Ah, j'avoue, c'est aussi bien un gimmick qu'un Justice, en vrai! Oh, mais. Les dégâts! Attends, j'ai pas le Devil Reverse? Devil Flip là? Attends! Comment ça? Non, t'as pas de Demon Flip. Ah, y'a pas de Demon Flip. T'as un Tatsumaki qui s'enflamme, mec, déjà. Putain. Oh là là là. Oh putain. J'arrive pas à me faire respecter. Oh là, putain, il a inversé la direction. Mais c'était quoi? Il en a un à battre. Y'a comme, oh, putain. Y'a comme un pressing ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, hein. Ça sentait le... Il y a comme un pressing, hein. Les matchs. Tu seras prêt pour le prochain coffre à versus. La prochaine Arcade Cup. Ah, mais ce stage du mal. Hooligan flip. Spiralaro, mon gars. Ouais, c'est Cannon Drill en américain, le Spiralaro. Trust kick. Oh putain, et mon tatou enflammé, il sert à rien là. Il sert à rien. On revient aux bases. Le zoning infini. Oh la barre. Ah, t'as super bling total. Oh putain, je peux pas tenir ça. Tiens. Non. Oh non, ah. ça touche pas oui. L'eau, putain. Le coup de fa qui touche pas l'eau. Ah, ah c'est un cruce du paradis, du petit paradis dans le dos là. Cette Camille Minogue. Oh là là là. Deux bas moyens pieds ça rentre hein. Ouais, évidemment. Oh ça bourre. Il n'y a pas de bourrage ici. Que de la haute technicité. Voilà. Ça perd le rythme dernier là. Oh, oh là là là, je suis pas mort. C'est vrai. Oh, hey, c'est d'ailleurs un problème. Et mon tête souvent enflammé, ça sert à rien. Ah, ça manque de string hein, cette Camille, moi je dis. Est-ce qu'il a le Gomesatsu ou pas là, dans le chat? Je sais même pas si tu peux faire le point gros point là, petit point. Putain, mon allon. Je sais pas ce qui est safe, ce qui est pas safe. Je sais pas s'il y a une vraie frame data dans le jeu. Oh, regarde, je crois qu'en hit c'est pas safe.
Tout ça c'est combo, on s'en fout hein, dans le jeu. Non, 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 je suis KO. Oh là là. J'ai encore failli me faire toucher par les étoiles. Mais oui, putain. Oh, oh mais ce petit cul. Ce petit cul qui a mis ça, c'est peut-être le truc le plus réaliste du jeu. Bon, et en plus, je crois que le pire que ce jeu, il s'est pas mal vendu. Si je ne m'abuse. Ah oui, tout comme le film, il a fait beaucoup d'argent le film en fait. Hein. T'es sûr de ça? Le film il a fait beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'on pense. Je crois que c'est un des plus gros succès de Van Damme en fait. Il y a une histoire comme ça où tout le monde est étonné que en fait, quand tu regardes les vraies ventes et les vraies recettes du film, eh ben ça a bien marché quoi. Je me demande. Hein. Je te jure. Le chat va nous mener enquête, mais regardez au box-office, je crois que c'est étonnant ce que ça a pu faire. Regarde la téléportation d'Akuma. Refais-la. Regarde. Bon, j'ai. Tu comprends ce qu'est une téléportation ou pas? Oh putain, regarde la pose de Wandouken, regarde la pose de Wandouken. Elle est incroyable. Regarde. Oh, pauvre. Oh putain. Quoi, et moi par contre, j'ai pas ta tête enflammée, moi. J'étais pas censé avoir un dragon. Dragon. Merci. Moi aussi, voilà le. Le die sur you. En cas de doute, Ken. T'as chaud. Oh! C'est beau. Je sais même pas comment on fait le démon. Y'a pas de démon fuite. Oh là là là. T'es mort. Sans parler de démon fuite, je voulais le. Cette pose de Ken. Le Raging Demon. Putain, mais en plus, quand y'a Ken, son Kimono est trop grand pour lui. Putain, mais les ambiances. Oh, c'est le bagro point qui m'a touché. Hein. C'est pas invincible à la relever le Shoryu. Hein. Si, 7 up, on te dit. Putain, t'as pas mon Ratatsu. Oh là là, la barre. Moi, je veux bagro point. Voilà, cette téléportation. T'as fait quoi? Ah, si tu vas faire en arrière. Oh! Ah non! Non! Je suis pas mort. Ah putain, le Sonic! Le Sonic de merde! Ah putain, le Sonic de merde! C'est ça le jeu! Oh, tu m'as quand même cassé ma boule! Bien sûr, tiens! Ah, mais sans moi, ton dash sur lui! Ton dash sur lui live, putain! Oh là, putain, c'était quoi? La trajectoire pétée de l'air projection! Tiens! Oh, je te touche quand même, hein! Putain, j'avoue! Oh là 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 là! Il y en a pas tranquille! Tiens! T'as cette course! Oh, c'est quoi ce 3 hit? Oh putain, je ne t'ai sûr! Tu es fini avec ton Tatsu, je te vois venir! Ah, tu veux faire l'ultra! Y'a pas de démon! Putain, c'est moi, tu t'es fait avoir par la boule, t'as ramené vers moi! Qu'est-ce que c'est que cette trajectoire de merde? T'es pris la presse! Oh, ça y est! Oh! Tatsumaki! Oh là 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 là! Non, mais la regarde, là, même la typo du Akuma Wins, elle a été piquée à Mortal Kombat. Comme ça, le truc, il est en pierre de granit en 3D. Ah, c'est pas possible! J'avoue que c'est compliqué, hein. J'avoue que c'est quand même très putain, très compliqué. On devrait faire un marathon Street Fighter The Movie au lieu de parler des autres Street Fighter qui servent à rien à côté dessus là quoi. Franchement ça c'est vraiment. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré hein, Chun-Li on a pour pas vu log. Et Vega. Chun-Li quand même, Chun-Li. Ah Vega il va être beau. Eh le combat légendaire, hein, Chun-Li Vega hein. À ce jeu, il n'y a pas grand chose à dire si c'était que c'est un peu la liberté. Attends, dans. Attends, regarde, il y a un mec qui est passé dans l'eau, je crois qu'on voit au fond du décor. Ce jeu c'est la liberté quand même de Street Fighter. Hein. Complètement, c'est le freestyle total, c'est pour les créatifs, tu vois. C'est ça. C'est un jeu très créatif. Oh, cette animation. Le mec qui mouline avec ses griffes. Oh, quel enfer. Oh là, il y a mon flingue Barcelona là-haut, là, c'est moi là. Non mais, il suffit monsieur. Oh mince. Un blocable on te dit. Oh là là là. Ouah, je suis parti tellement loin moi-même que je ne sais pas. J'ai la même anime pour MK et LK. Oh là là, mais cette chenille du pauvre. J'ai pas de rose, je peux pas taunter. Non, je peux pas taunter. Putain, cette.
sera le meilleur kick-coken de l'histoire. Allez, ils ont la drop. Putain, il m'a tellement touché. Ça s'en va loin ici, hein. Oh, mais Griff est encore fumé. Clôture, mec, clôture. Fla. Tiens. Ah, bien. Il a un startup vraiment long, son exemple. Je comprends. Des fois, ça knock down, des fois, ça knock down pas, en fait. Les mille pieds, on te dit. Putain, mais quel pire. Ils viennent d'où, ces mille pieds? Et la chope l'a retombée, on l'attendait tous. Non, non. Il est dedans. Ah, putain. Évidemment, les dragons de feu de Chani est bien connu. Regarde derrière, ça passe derrière. Le mec, t'as vu, y a un mec qui pose tranquille là. Oh. Bien joué. On joue 10 minutes, le jeu glitch. J'ai l'impression qu'on a fait une desk. Ah, quoi, desk il commence à péter le moteur du jeu. Je crois que je suis déjà complètement glitché avant que ça commence. Ouais, c'est Gookie qui passe derrière en tant que ça passe tranquille. On dirait une petite soirée avec des contre-soirées. Oh là là, il y a quand même des grandes bases de versus fighting à revoir. Oh non, comment ça? C'est moi qui fais pécho. Oh, ça grave. Putain, t'as pété ma barre de vie, regarde. Mais putain. Fatality. Voilà, monsieur Lame, c'était Street Fighter The Movie. Donc, ceci a existé, hein, et il faut savoir que c'est considéré incroyable comme un vrai jeu de la licence Street Fighter. Mine de rien. Mais tu sais, c'est un peu comme l'enfant spécial dans ta famille, ça reste ton frère, quoi qu'il arrive. Il est spécial, mais bon. C'est ça. C'est la famille. On lui en veut pas. Bah ouais, ouais, il est comme il est. Il est comme il est. Oui, il y a quand même l'affiche de Jean-Claude Van Damme sur la jaquette. Du coup, ça vaut quand même le coup. Le meilleur jeu maintenant, on va passer après Jean-Claude Van Damme. En 1990, au milieu des années 90, eh bien... 100 millions de dollars de recettes. Ah ouais, quand même. Pour 35 millions de budget. Pas mal. Voilà. GG. Tout fumé en rail de coke par Jean-Claude Van Damme. On va parler maintenant de la saga Street Fighter EX. À la fin des années 90, Arika se voit prêter la licence Street Fighter pour la porter en 3D. Puisque c'est l'époque de la 3D depuis longtemps. Et ils se sont dit, bah écoutez, nous on a un moteur 3D pas trop mal avec notre carte arcade. On va voir ce qu'on peut faire sur Street Fighter. Et force est de constater que eh bien, l'essai est réussi et qu'il réussisse à transformer l'une des meilleures adaptations en 2,5D de Street Fighter qui n'ait jamais existé. C'est un vrai jeu, hein, carré avec son système qui lui est propre, sa DA qui lui est propre. Ça fait un peu kitsch et évidemment comme c'est de la 3D, c'est un peu mal vieilli. Mais voilà, on est en 1999, donc à l'époque de Third Strike et de Street Fighter 03, et on a EX de plus qui arrive comme ça sur le jeu. Énormément de persos issus des licences Fighting Layers de Arika, Nanase, Okuto, des personnages qu'on retrouvera probablement dans Arika X, et un système de jeu divin, Garde Impact, qui inspirera la Focus Attack dans Street Fighter 4, Excel Mode, qui est donc un mode de combo personnalisé qui va inspirer grandement le VISM de Street Fighter Alpha, un système de combo où tu peux super cancel des supers, donc tu peux enchaîner plusieurs supers les unes avec les autres, tout un tas de systèmes de décalage chop et de juggle combo qui est, on va dire, propre à la saga. Et c'est vraiment, 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 vraiment un excellent jeu de combat, un nombre de persos très important. J'ai à peine dosé ce jeu, moi. Donc c'est simple, en haut, les personnages de la saga Street Fighter, globalement les personnages de Street 2 de base. En bas, tous les personnages d'Arika, donc on pourrait retrouver dans Survival X. Donc Doctrine Dark, Okuto, Nanase, Sejak, Vulcanorosso, Arena, Pulum, Darun, Skullomania et Sharon. On va se faire un petit Darun pour commencer. D'ailleurs, Darun et Skullomania ont déjà été montrés dans le prochain Arika. Hein. Exactement. Donc voilà, comment est-ce que ça joue? C'est bien un jeu de combat en 2D. Hein, ouais, donc, c'est la 2,5D ça. Exactement, donc on est sur, entre guillemets, du jeu de combat classique, mais, eh bien oui, évidemment, un tout petit peu, on va dire, rétro pour le coup, adapté
au standard de l'époque. Avec des fonds qui sont entre guillemets très Tekken. Ryuk a le Tatsumaki multi-hit. Ouais. Donc voilà, là t'as vu, je t'ai fait le garde impact. Ouais. Donc qui a un coup qui a de focus. Mais ça m'utilise une barre. Mais avec cette barre là, eh bien je peux te mettre bien. Ça te dash pas par contre encore. Non, pas de dash. Tu vois, t'as aussi un espèce de V-skill. Toi, je peux casser tes comme projectiles. Dans Street 5, ça, non? Exactement. Oh, joli. Je casse une boule et je tape l'Ariato. C'est un jeu 3D en 2D. C'est de la 2,5D. C'est exactement ça. Le gameplay est 2D. Les sprites sont en 3D. Putain, la tête par rapport au corps, vous êtes deux jeux différents. C'est ça. Putain. Ah, bah, c'est standard de l'époque. Hein. Fla un, un. Tac, tac. L'Ariato. Voilà, j'ai pris cher. Petit 3-hit, le 3-hit de la base. Oh putain, joli. Mon dragon. Ah merde, j'arrive plus à faire les supers du jeu. Voilà. Putain, mais comment j'ai volé? Petit contre-aérien qui va bien. Ah, ce Shinku Hadoken. Non, mais c'est pas possible. Ah, le DDT. Ah, putain, mon dragon. Ah, parfait. Non, bien, wesh. Ah, normalement, je récupère. Oui. Je récupère d'ailleurs, après tu ça. Tu le vois dans la démo de du RK 2017, là, qui arrive, là. Faire ça aussi? Ouais, avec le coup de... Hi tu vois faire le petit coup d'abdomen, là, qui fait décoller le mec. Alors, on me demande, est-ce que je vais parler de X plus Alpha sur PS1? Alors, étant donné que X2 plus est une extension de X plus Alpha, la vérité, c'est que je vais surtout parler de celui-là. Et ensuite, après, tu vois, on a déjà une bonne vision de ce qu'est Alpha, du coup, avec cette version-là. Regardez ces effets de lumière. Donc, pendant les supers, t'as des animations comme ça, tu vois. Oh putain, la gueule, le truc. Ce qui est quand même grave stylé. Des combos. Paf. Paf. Putain, je sors pas. Pourquoi je sors pas même dragon? Bah voilà. Putain, dragon, il met longtemps à sortir. Il met 35 frames à sortir. Ah, bien joué. Le garde impact. Tu vois que tu peux faire ça. Aïe, aïe, aïe. Et paf. Ben ouais, donc pour éviter ça, tu peux balancer un coup invincible dès que tu vois le truc là. Parce que c'est un coup spécial. Donc tu peux l'annuler après un coup normal pour casser la garde. Mais en plus, t'as aussi l'Excel mode, hein, je vais te montrer l'Excel mode après. Skullomania. Qui te permet de faire des combos perso. Donc qu'est-ce qu'il est dans le jeu, oui. L'Ariato. Donc tu vois que t'as pas de mal en fait à trouver tes marques dans le jeu à partir du moment où t'as déjà joué un Street Fighter pour te dire. Non, le feeling est bon, c'est juste que. Aïe. Aïe. Putain, t'as toutes les réponses là, c'est relou. Skullcrash. Skullhead. Évidemment, classique, le dragon en pressing à la relevée. Je peux pas te gratter à l'infini avec ça? Oh si. Putain, j'ai un petit recul sympa en plus, hein, parce que. Oui. Tu vois, ça c'est la level 3. Si jamais je t'avais touché, je déclenchais la fin atomique. Oh non. Ah oui! And ha! Super Skullos Glider! Ce tacle. Ah, elle est tellement stylée. Qui vient pas de trop loin. Tellement stylée. Non, Bloody Roar, rejouez-y, hein, c'est pas excellent du tout. Hein, Bloody Roar, c'est avec les quand ils sont en best là, non, c'est ça? Les gens disent Bloody Roar c'était excellent, mais en fait, je crois que les gens ont jamais vraiment joué. Ils ont un souvenir un peu flatteur du jeu, parce que mais franchement, tu le revois, tu fais ah ouais, franchement, c'est un peu dur. Street Fighter X, c'est un jeu, tu peux y rejouer aujourd'hui, je t'assure que Bloody Roar, t'essayes d'y jouer, tu fais mais putain, il est où le système? Qu'est-ce que tu fais? Ça reste compliqué, hein, Bloody Roar. Aïe, 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 je prends le Fla! Arrête de jouer des gros, Verdier. Pourquoi tu joues toujours des gros? Mais juste tue-moi et j'en changerai. Je sais pas si je peux repasser dans le... Tiens, regarde. Je vais changer de perso pour toi. Ah, le son est bon. Le changement de perso est rapide.
C'était juste pour montrer un peu les personnages d'Arika aussi qui risquent d'arriver, qui sont des personnages bien qui se... C'est-à-dire qui se placent bien dans la... La saga Street Fighter. Doctrine Dark. C'est bien, c'est un peu mon motto dans la vie, c'est une Doctrine Dark. Ouais. Voilà. Complètement. Alors ce gars, il a... Alors le défaut de ce jeu, c'est qu'évidemment, faire des modèles 3D, définir des animations 3D pour tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc en fait, le seul véritable défaut qu'il y a dans, dans la série Alpha, c'est que tu as retrouvé des animations de coups qui sont assez similaires. Tu vois, si je fais un saut moyen point, c'est... Quasiment tout le monde peut avoir le même saut moyen point, pour te dire la vérité. Et combo. Ça fait un, c'est vrai que ça saoule un peu, mais bon, c'est malheureusement un mal pour un bien. Ça permet d'avoir un nombre de personnages en 3D déjà à l'époque qui est pas mal. Alors évidemment, aujourd'hui, hein, à l'époque moderne, on se rend compte qu'en fait, c'est un tableau papier peint qui est accroché. On a un peu l'impression de se retrouver dans le même monde que... comment il s'appelait ce film avec Jim Carrey, là, quand il est enfermé dans un jeu télévisé. Truman Show. Ouais, The Truman Show, tu vois. En fait, derrière, c'est juste un fond... c'est juste un fond animé en deux couleurs, mais en 2D pur. Putain. Donc juste, je vais te montrer un tout petit peu le principe lorsque tu croises des animations. Voilà, lorsque tu croises un moyen et un gros coup, tu vois ce qu'on appelle le Excel Mode. Ouais, c'est un peu... Là, c'est le freestyle total. Là, c'est... Voilà, qui te permet... Boum. De faire du combo personnalisé. Et aussi, tu vois, d'être invincible. Tu vois, j'ai été invincible à ton coup. Et là, tu vois, ensuite, après, je peux enchaîner des coups les uns avec les autres. Quand je suis dans ce mode-là, je peux aussi, toi, si jamais ça touche, enchaîner rapidement les Sonic Boom sans charger. Voilà. C'est un peu la base du système de combo et aussi du système défensif du jeu. Parce qu'on a quand même ça. Pas mal, pas mal. Putain, ils ont vraiment un léger problème de jointure entre la tête et le corps. On est sur de la PlayStation 1. Hein. Ouais, moi, je trouve ça assez surprenant quand même pour de la PlayStation 1 déjà. Franchement, la carte arcade est à peu de choses près une PlayStation 1, déjà à l'époque. Crackjack. Crac, lui, il est stylé. Ah, mais ce décor, les musiques sont aussi très très bien foutues. C'est un beau décor, on dirait un papier peint Windows, le truc. J'avoue. Blah, oh, le attends, qu'est-ce qu'il fait Crackjack? Oh, la batte de baseball. Il peut me renvoyer, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un des meilleurs persos du jeu, hein, d'ailleurs, lui. D'accord, hein. Ah oui, d'accord. Mais il faut maîtriser ses Excel. Ah putain, par contre, ouais, tu le renvoies pas à l'adversaire, tu le renvoies en l'air, quoi. C'est ça. Oh putain, le point qui grossit. Oh, gros point. Hein. T'as eu bam. Dégagement Sonic Boom Cash. Par contre, je sais pas comment j'ai fait le gros point vers l'avant là. C'est une charge. Ah, c'est une charge. Okay. Ouais. Donc il a des quarts et des charges. C'est une charge. C'est un peu le boxeur du jeu, mais avec une batte de baseball. Alors, tous les persos ont accès, donc t'as vu, au mode Excel, au garde impact, mais aussi à une level 3 hein, qui. Voilà, les fonctions évidemment du personnage. Hoppa! Décale chop. Tu remarqueras les animations lorsque le mec se fait choper. Non mais les avant-bras de Popeye, il a regardé moi ça quoi. Oui, oui. Tout se grossit hein. C'est pour que ce soit plus flatteur. Chop à la relever. Putain, bien je entendu. Vais te chaud. Opening Gambit Fu. Somersault. C'est quoi son tracé avant-arrière? Oui. Ah oui, c'est cela. Totalement ça. Oh, putain, certains ont quand points. Même récupéré quelques quarts de cercle. Tu vois, et ça, c'est la level 3 de Guile. Eh le véritable Sonic Hurricane. Et pour le coup, t'as une vraie Hurricane, comme la tempête, malheureusement, qui s'abat actuellement sur les États-Unis. Eh oui, j'étais un peu le Texas dans le coup là. Toi, t'étais dans le Texas, ouais, c'est exactement ça. Sympathique, sympathique. C'est vrai que fluide et propre, tu vois. Le jeu est fluide, hein. Ouais, ça le jeu est fluide, le jeu est propre, le gameplay est propre. Il y a vraiment énormément de combos et les versions PlayStation. Donc, je l'ai là, hein, la version PlayStation. Hein. Je voulais vous la montrer, oh, hein, cette version PlayStation. Elle est en bon état encore. Ouais, elle est en très bon état. C'est la version Jap, parfait état, impeccable. Ah, c'est disque noir. Et ouais. La classe. Mais malheureusement, la PlayStation fonctionne pas. J'ai pas réussi à faire fonctionner la PlayStation. Donc on se retrouve uniquement avec ça. Je
suis sincèrement désolé. Mais dans la version PlayStation, tu as en plus, eh bien, le mode défi, qui est donc le, tu vas dire, l'ancêtre des modes défi qu'on connaît aujourd'hui dans Street 4 ou dans Street 5, où il y avait une série de combos à réaliser, une certaine défi à réaliser dans les combos, et qui te permettait, eh bien, grandement de, eh bien, de taffer les jeux de combat. Et c'est avec ces jeux-là, moi, que j'ai appris ce que c'était vraiment un combo. Avant 1998, dans les jeux de combat, je dois bien t'avouer que je savais à peine ce que c'était un cancel, en fait. Et ce jeu m'a bien précisé tous ces points, tout le langage qu'il y avait aussi derrière les shops, les tic throw, le juggle, les coins imbloquables, etc. Évidemment. C'est la PS3. Non, j'ai pas de PS3 là. Donc c'est quand même. Petite jointure. Enfin, c'est quand même un jeu qui a apporté beaucoup, et je pense que c'est un jeu qui doit beaucoup plus au renouveau de Street Fighter, en tout cas surtout de sa communauté, que ne peut l'être Street Fighter 3 ou même Street Fighter Alpha, tu vois. Ouais. Ça, c'est un jeu qui va parler à un nouveau public, comme Street Fighter 4 a parlé aussi à un nouveau public à la fin des années 90. Tu vois, bon, il y a quand même 10 ans d'écart entre ça et Street 4. Hein. Le zoning de merde de Sagat, si tu écoutes pas, tu m'énerves. Je sais. Désolé. Tu avais Evil Ryu dans cette version, alors ça dépend de quelle version que tu as. Probablement sur la version PlayStation, ouais, il y a des personnages qui sont rajoutés. C'est vrai. Ouah, ah oui, ce personnage stylé hein, qui utilise ses points à Rina pour faire. Comment le taf. Oh, Tiger Crush. Boom. Ouais, mais moi je suis impatient de voir le EX3 d'Arika, le nouveau quoi, en fait. Ouais. Qui est annoncé parce que tout le monde a dit que les feelings étaient mortels. Ouais, exactement. Bah globalement, ça reprendra à mon avis pas mal le feeling qu'on a là, hein, pour te dire la vérité, hein, j'en suis quasiment sûr. Hein. Mais oui, bah déjà, avec le feeling qu'on a là, est franchement très très bon. Enfin, tu vois, là, je fais quasiment rien, mais pour te dire, tu vois, je peux faire coup normal, coup spécial, super, et même re-super derrière. Et c'est un des premiers jeux qui apporte ça de façon fluide et jouable, avec une vitesse de jeu qui te permet quand même le hit confirme, qui t'apprend bien ce que c'est les cross-up, pas les cross-up. Avant... Enfin, tu piffais un peu toute ta vie parce que rien n'était expliqué dans les jeux de combat. T'avais 50 000 modes, mais en gros, tu spammais les boutons, tu faisais n'importe quoi. À partir de cette version Street Fighter EX, Arika, hein, qui pourtant n'est pas réputée pour faire des jeux de combat, a vraiment donné un peu une leçon d'accessibilité tout en étant et en gardant un jeu profond. Mmh. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. T'as vu la vitesse du Tiger Cannon. Ah, puis c'est zéro frame à l'autre bout de l'écran. Ça y va, quoi. C'est assez important. Sur quelle plateforme on joue? Bah, les dispos sur PlayStation 1. Ouais. Bon, les dispos sur PlayStation 1, alors on est sur la version arcade. Tu as quelle heure là avec ton Apple Watch extraordinaire? Il est 17h39. Tu veux voir le cardiaque aussi? On va, oui, je veux bien te rythme cardiaque. On va passer au jeu suivant, et le jeu suivant est donc une saga très importante, hein, qui est la saga de Street Fighter 3. On va quand même y arriver. Donc, en même temps, donc là on est en 1999 avec ce X2 plus Alpha, mais Street Fighter EX c'est 97, ouais. Le premier, d'accord, 98-99. Et en 97 est sorti aussi en marge le vrai jeu de la licence Capcom, leur fer de lance, celui qui est censé relancer, remettre la licence de Street Fighter sur le devant de la scène, là où Street Fighter Alpha a, comme tu l'as su, un peu échoué. Ouais. Mais même si ça a échoué, ils ont quand même fait Street Fighter Alpha 3 en parallèle, pour permettre d'avoir une alternative, là où Street Fighter 2 était vraiment un jeu très 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 vieillissant. Ouais. Donc on a deux alternatives, et sort donc en 1997 Street Fighter 3 New Generation, donc qui est donc le renouveau de la saga, qui est une suite très éloignée à Street Fighter 2, c'est fini Shadaloo. Les personnages sont vieux. Ça revient vachement à la base, c'est des combattants de rue chacun de leur côté. Il y a un côté un peu intimiste, je trouve, dans ce street. Il y a moins de combattants déjà, parce que tu vois, à la fin des streets,
les Super Street 2 Turbo et les Street Alpha 3, t'avais plein de combattants. Là, tu vois, c'était revenu un truc vraiment. Bah, nouvelle génération, à Paris Weekend, je crois que t'avais aucun perso du 2 en fait. T'avais que des nouveaux persos à Paris Weekend. Exactement, ils voulaient même supprimer Ken. Ah ouais? Ouais, mais ils n'ont pas osé aller jusque-là. Le logo du 3 aussi. Hein. Donc, 10 personnages hein, dans ce premier opus, comme tu peux le voir, c'est très difficile, dont Ryu, Ken et Shun. Ouais. Sont quand même des persos un peu clones les uns des ouais, autres. Ouais. C'est vous dire la difficulté ah, Elena. Que Street Fighter 3 a été de produire. Ah, mais regardez-moi l'animation. La première fois que tu vois l'animation d'Elena, tu flippes. Regarde-moi ça, l'animation qu'elle avait là. Bah. Et est-ce que c'était à l'époque où Art of Fighting 3 était sorti aussi? C'était vraiment des animations vénères. Ou c'était plus à l'époque de Mark of the Wolf? Art of Fighting. Oui, Art of Fighting 3 avec des grosses animations aussi. Hyper, et là, c'était bizarre. Là, c'est vraiment une leçon d'animation, mais aussi une leçon de DA. Ah ouais. DA que je trouve qu'on perdra un tout petit peu avec, avec Sir Strike d'ailleurs. Donc l'arrivée de nouveaux persos, hein, Dudley, Bookie, Makoto, Necro, Shun. Etc, etc, etc. En gros, quasiment tout le cast est nouveau. Oh, et tout le cast est censé apporter un gameplay qui est quand même vraiment totalement différent. Mais voilà, un jeu qui a le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Street Fighter Alpha, le syndrome des 1, Street Fighter 1. C'est que donc, le jeu veut introduire donc, le système de blocs, mais n'est vraiment, mais genre, vraiment pas terminé. Les animations sont pas finies comme elles le devraient. Mais les bases du système sont là. T'as le système de pari et le système de sélection de super art pour les persos. Tous les persos ont, tu vois, des barres de vie qui ont une taille différente, des super art qui leur correspondent ou pas. Et tu as donc le pari du jeu. Donc quand tu appuies sur avant au bon moment, lorsqu'un mec essaye de te toucher, voilà, tu tech l'adversaire. T'as pas encore le pari rouge. Tu récupères un peu de la barre de. Pas de la barre de vie, mais un peu du block stun que tu aurais eu d'habitude. Note que c'est faisable aussi dans les airs, mais dans les airs, je crois qu'il faut appuyer en bas dans les airs. Voilà, pour faire un pari. C'est en bas. Donc c'est différent de Sir Strike qui va aussi changer un peu ça. Les fenêtres de timing sont aussi pas mal différentes. Voilà, tu vas devoir, tu vois, à mon avis, retrouver des similitudes avec ce que tu connais aussi. Nouveau personnage qui est censé être le nouveau personnage principal du jeu, tu vois, avec le bandeau rouge. C'est Alex hein, qui est censé être le nouveau héros. Un peu, héros. Ouais. Voilà, c'est ça de ce jeu. Il est intéressant, mais il manquait de charisme, en fait, je trouve. Un peu pour porter la licence. Voilà. Tu sais, pour Ryu, c'est pas un personnage qui est très charismatique. Ouais, non, mais hein, Ryu, c'est devenu vraiment le. Bah, c'était Ryu, quoi. Tu vois, c'est le mec, c'est devenu un style de perso lui tout seul, quoi. Oui, c'est vrai que quelque part. Bam! Donc un jeu qui reste très très simple, hein, basé sur le hit confirm, hein, tout simplement, avec des counters qui sont puissants, un gros jeu qui est déjà très orienté juggle combo, et surtout une animation qui est juste complètement folle. Non! Et des dégâts gigantesques à la Street Fighter 2 sur les supers, etc. Mais une DA qui pose quand même les bases de ce que c'est, mais voilà, on sent qu'il y a le même nombre de persos que dans Street Fighter Alpha. On sent que le jeu a demandé énormément de temps de développement, beaucoup d'argent pour avoir autant d'étapes d'animation sur des sprites qui deviennent quand même gros, hein, tu vois, tout en gardant une finesse d'animation et de design. C'est quand même assez compliqué. Plus un système de jeu basé sur le bloc et sur ces super art qui est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent et de plus commun dans l'univers du jeu vidéo. On marque vraiment un renouveau, mais le jeu est bloqué longtemps en arcade, là où Street Fighter EX explose sur PlayStation. Malheureusement, ce jeu ne peut pas être porté sur PlayStation. La PlayStation ne possède pas assez. Non, la PlayStation ne possède pas assez de mémoire vidéo pour faire tourner le jeu convenablement. C'est donc impossible, malheureusement, à cause de la 2D hein, et du nombre de sprites à la minute qu'il faut afficher, impossible, eh bien, de porter le jeu sur PlayStation 2. Malheureusement, du coup, le jeu va devoir attendre la Dreamcast, une console largement moins populaire pour commencer à exister.
Et ça va aussi beaucoup handicaper le jeu parce que bah, les versions console et la PlayStation avaient la possibilité de porter quasiment l'arcade comme ça. Ouais. On voyait des Time Crisis 2, des Tekken 3, tu vois, des Soul Edge. Ouais. Ou des comment. C'est quoi le jeu de Capcom qu'ils avaient fait aussi Star Gladiator. Ah, Star Gladiator, ouais. Vrai. Donc impossible à être porté sur PlayStation 1 malheureusement, à une époque où la PlayStation 1 est full installée, la PlayStation 2 vient à peine de sortir, il va falloir attendre bah, la sortie de la Dreamcast, une console qui est quand même largement moins installée pour voir le jeu arriver, là où tu vois Street Fighter Alpha lui était déjà porté sur PlayStation, bien qu'amputé hein, par rapport à la version Saturn. La version Saturn a toujours été un peu plus riche, plus complète. Donc on remarque qu'on peut charger la barre de super avec des normaux dans le vent, ça c'est vraiment une très grande nouveauté de ce jeu. Ah, le pifou. Dash avant aussi, non, une nouveauté hein, pour Street Fighter, puisque ouais. Dash avant ou dash arrière. Ouais, t'as les dash, ouais. Même dans Street Fighter EX, on n'en avait pas, même dans The Movie, on n'en avait pas, donc c'est l'arrivée même du dash Zero, ici. Même dans Zero, t'en avais pas. Non, t'en avais pas. Mais voilà, c'est... On va dire, c'est une... un espèce de... de finalisation d'un ça savoir-faire. Ça l'a tellement dit, mais un coup c'est juste tellement violent. Je pense que ce jeu c'est du pur artisanat de jeux vidéo, tu vois. Ça fait partie des petits miracles, mais c'est un échec commercial cuisant. Ah ouais. Mais vraiment, vraiment. Et qui va d'ailleurs enterrer la licence Street Fighter très longtemps, mais genre très très longtemps, au profit. Bah après, faudra attendre 2008 pour Street 4, des crossovers hein. Qui marchent beaucoup ouais. Mieux avec Marvel, avec ouais. SNK. Ouais, ça va l'enterrer pendant 6-7 ans. Hein. Parce qu'ils sont en arcade pendant le Street 4. 10 ans. Street 4, c'est 2008 ou 2009 2008, fin 2008, mais 2009 ouais. Réellement sur console. Ouais. Ça va l'enterrer pendant 10 ans. Ça va l'enterrer pendant et 10 même, ans. Même le genre, il vivote dans son petit coin, mais c'est pas compliqué. À part des Tekken et effectivement des Versus, SNK fait faillite. Enfin, tu vois, tout est compliqué quand même à ce moment-là. Hein. Et oui, c'est la fin d'une ère, on va dire. Il arrive vraiment en fin d'ère. Du jeu de combat, mais bon, c'est quand même assez remarquable de voir ce qu'il a réussi à faire. Et bon, le jeu est quand même pas finalisé, on va passer ensuite à la vraie entre guillemets version du jeu qui est qu'est-ce que tu me fais qui n'est autre. Ah, tu fais chier quand tu fais ça. Oh, bien joué! Quel hitbox, ce gros point. Qui est donc le second, voilà, second impact. Tu vois l'arrêt le D2. Giant Attack. 3.2 qui lui va être vraiment un jeu mieux calculé, mieux calibré, mieux animé, mieux fondu aussi au niveau du décor, etc. On va avoir quelque chose d'un peu mieux finalisé. Ah, je me rappelle le juggle que tu peux faire, le juggle infini que tu peux faire ça avec ça là. T'es sûr dans celui-là? Quand tu fais ça là, tu ouais. Peux faire des juggles de ouf avec ce truc là. Moi j'ai pas le dash elbow là, il existe pas. Ouais, moi ça là. C'est pas pour envoyer le mec en l'air ça? Si, tu envoies le mec en l'air. Parce que ma belette c'était MK qui était non raté à l'époque. Mais je sais pas où on est les. Ah, la batte. Où on est le juggle là-dessus. Oui, puis c'est l'ère de la 3D, les gens ont raison. Après, Rival School fonctionnait, Bloody Roar, Tekken, surtout Tekken. Tekken marchait bien. Hein. Tekken, auprès du grand public, mais 1000-0 à tout ce que les gens avaient envie de savoir. Les gens, même si d'un point de vue artisanat, c'est génial, pour eux, dans leur tête, ils restent. Mais c'est de la 2D, c'est terminé la 2D, c'est fini maintenant. Tout le monde veut de la 3D. Et du coup, c'est vrai qu'il arrive un peu, on va dire, un peu mal. Malheureusement, assez malvenu, alors que, comme je te dis, le jeu est quand même une prouesse, quoi. Quand même une prouesse. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. On a le temps de 3.2, juste pour montrer le jeu qui est intéressant. Ouais, oui, ouais. On a le temps de 3.2. 3.2 va régler tous les problèmes de ce 3.1, donc déjà la lenteur d'animation, les décors qui sont pas forcément non plus très finis, la musique assez insipide, les paris qui sont pas encore d'une précision chirurgicale, et va faire rentrer réellement Surstrike dans... Bref, va poser ce qui est
on va dire, le jeu. Second Impact. Le jeu de référence. Mais le jeu a un problème. Il le traîne encore. Sorti la même année, hein, Second Impact. Hein. Ouais, vraiment, dans la foulée. Ouais, c'est vraiment le. Ah non, Star Trek, ça marche pas, on sort une deuxième version. Et là, on introduit d'autres personnes. Donc, Urien arrive. Yoon arrive. Ouais. Yang arrive plutôt. Hugo arrive. Hugo arrive. Urien et Yang. C'est tout. Voilà. Les quatre persos, c'est quoi? C'est Urien, Hugo, Yoon. C'est tout? C'est trois nouveaux persos. C'est ça. Yang, non? C'est Yoon, il était déjà dans l'autre version. Ah, c'est Yang qui était pas. Effectivement, c'est Yang qui arrive. Donc trois nouveaux persos qui arrivent, qui fournit quand même un peu plus le casse, sachant qu'il y a quand même Gilles et il y a Gookie aussi caché à l'intérieur du jeu. Qui reste quand même assez important. Shinryu Shuriken, le track sert à rien. Le décor. Et perso cheaté. Et la DA, voilà. Et parfaitement intégré. Non seulement on a bien animé les persos, mais on a bien animé les décors et on a fait vivre les décors. Ainsi, tu vois, perso, décor, HUD, tout est, à mon sens, une véritable, tu vois, une véritable prouesse technique. Je l'ai trop et la DA est totalement cohérente, tu vois. Ouais, je l'ai trop beau. Ce jeu, pour moi, ça fait partie de, ouais, des, enfin, en 2D, en 240p pur, des plus beaux jeux. Qui soit jamais sorti. Hein. C'est vraiment, c'est assez hallucinant. Il est vraiment, vraiment magnifique. On a une homogénéité dans tout, hein, qui fait que bah, le jeu, toi, trouve enfin, on va dire, son truc à dire. Des petites animations stylées lorsqu'arrivent les supers, etc. Tu vois l'animation de Ryu qui est à présent complète. Hein. Tellement stylé, putain. Et le système de pari qui est enfin éprouvé, tu vois. Je peux parier moi aussi ma vie. Ah, allez ! Les animations d'Hugo qui sont folles. Ouais. Et surtout le sprite du perso qui est gigantesque. Même pour l'époque. Et c'est pas trop le gigantisme de Hugo qui entre mais guillemets, non, est surprenant. C'est que l'animation est tout, en plus putain. Folle alors que le personnage est gigantesque. C'est-à-dire qu'on a. On a vraiment tout. Ah, absolument tout. Ouf, ça met dragon ici, hein. Ça pif. Et les décors aussi sont très bien animés. Non, non, s'il te plaît. Évidemment, le mythique. Tu m'as pas respecté. J'ai tenté. Ah, la gueule. La gueule. Donc là, à mon avis, franchement, Giant Attack, c'est le pur produit fini de Street Fighter 1 pour moi. Ah et, ouais. Ouais. D'accord. Et c'est celui qui fait le plus plaisir, j'ai envie de dire. Puisque il va définir les bases de Star Trek, mais le jeu a un problème. Mais où sont les persos que j'aimais bien? Ouais. Où est Chun-Li? Tous les mecs qui voulaient Blanca. Où est Guile? Ouais. Où est Honda? Où est Blanca? C'est le problème de Street Fighter, c'est qu'à moi, les mecs qui voulaient toujours les mêmes persos et critiquaient l'essence pour ressortir les mêmes persos. Mais tu vois, Dudley était très bien, Ibuki sont très bien, mais ils ont pas de charisme ou le poids dans le lore de. Alors il y a des tas de persos stylés, mais oui voilà, malheureusement bah t'as pas les persos que les gens recherchent et ça va paralyser beaucoup malheureusement le jeu. Alors note que dans Street Fighter 3.2 les shops c'est encore direction plus bouton, hein. Ouais. Donc t'as encore les Kiktro avec des options select à la classique. Genre ça. Ouais et là j'ai déchopé. Ouais, hein. T'as déchopé. J'ai déchopé avec direction plus bouton. Mais le problème de ça en fait c'est que c'est une mauvaise carotte au système. Tu vois, en fait, le système qui est donc le pari est très mauvais pour accueillir des shops qui sont dites option select. Parce que si tu option select une shop et que le mec te bait, eh bien tu fais pari et donc tu vas parer la shop qui sort en coup, tu vois. Alors que si tu as une shop à animation qui ne fait pas de coup lorsque tu fais pari, eh bien tu rates justement cette animation de shop et c'est toi qui as fait donc le mauvais choix qui se fait punir. Alors que là, tu fais entre guillemets quasiment tout le temps le bon choix à faire des paris, rendant les paris très 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 puissants. Et tu peux pas OS. Tu peux pas OS tout. Dans Source Strike, du coup, tu as la possibilité à la fois de faire paris et de faire shop juste après. Donc, fais avant, tu vois, shop. Et tu fais les deux trucs en même temps. Putain, ce qui permet d'ouvrir bien mieux les. Kian, tu es tellement stylé. Que t'est-il arrivé? Les. D'ouvrir quasiment tout. Waouh, ouais. Tu m'as puni sur le premier hit de mon dragon, oui, hein. Oui, mais j'ai voulu derrière faire un gros point et je n'ai pas fait de gros point. Oh, je me suis pris pour Momochi. Et moi aussi. Oh, le double pif.
Ah là là, le triple. Non, voilà, c'est plus sur ça, ouais. Bon, ça reste Street Fighter. Le Hadoken reste quand même Hadotrap. Sama. Note que tu peux toujours parer en l'air, mais t'as pas la garde en l'air. Pour parer en l'air, cela dit, il faut appuyer en bas au bon moment. C'est chaud. Hein. Et c'est encore comme ça, ça, des trucs qui vont être quand même relativement changés. Mais l'animation de Ken. En fait, quand j'ai vu ça, moi j'ai. Ken est trop beau dedans. Putain. Sur la bande Mégalo, je m'en rendais vraiment pas compte. Mais une fois que j'ai eu Surf Strike sur Dreamcast, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire aussi bien? Putain, Mookie paraît tellement stylé aussi. Et oui, hein, regarde hein, tous les décors. Hein, tous les décors. Hein. Même les musiques sont bien, hein, tous les décors, il n'y a pas à chier. Et note que les décors changent d'un round à l'autre, normalement. Donc t'as une évolution des décors qui restent pas les mêmes. Et t'as bien un décor, il me semble, par perso. Par contre, oui, évidemment. T'as mon target. Non, ça passe. Ah là 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 là. Une barre. Il n'y avait pas une super derrière. Attends, paf, le quart de tour et point, non, pour un super dans les airs. Ah, le jeu paraît aussi un peu plus lourd. Bah, c'est les animations qui font ça hein, qu'un Street Fighter classique. Tu vois, les animations de dash, elles sont très. C'est rapide, très nerveux. Et là, tu viens de décoller avec mon dragon. Hein. Gras. C'est violent. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Par contre, oui, encore une fois, le compteur de combo, tu l'as qu'une fois que tout est. Que le combo s'est enfin affiché. Oh, c'est pif, ah, c'est quoi ce combo de punition? Mais c'est aussi difficile de faire des décalages chop à l'ancienne. Il avait les décalages chop déjà ou pas Comment? Aïe. Il avait les décalages chop ou pas Ken là? Peut pas faire de Kara Cancel puisque tu n'as pas d'animation de chop dans le vent. Ah ouais, donc c'est dans, mais en 3-3 il a une Kara Chop. Oui, parce que tu as l'animation de la chop, parce que les chops sont des chops de boutons. Il y a une différence entre chop bouton et chop Ocean Select. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement beaux. Voilà, donc là, après, il y a des jeux qui ont réussi à égaler le niveau d'animation, mais pas le gigantisme des sprites. Garou Mark of the Wolf. Ah, mais Garou Mark of the Wolf. Des jeux comme Martial Master, mais qui sont arrivés beaucoup plus tard. Je trouve que Garou Mark of the Wolf, il est magnifique, voire peut-être. Enfin, c'est un truc différent, mais il est au moins aussi beau que Street. Mais il m'avait l'air, les combattants m'avaient l'air plus petits, non? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ça égale pas la taille des personnages. Qu'il y a. Là, trucs, là, on est vraiment dans le gigantisme total. En fait, t'avais Art of Fighting 3 qui avait des persos énormes avec des animations de ouf, mais avec un feeling bizarre. Tu vois, le feeling de Art of Fighting 3 était hyper raide finalement. Et lui, il était vraiment entre les deux. Entre taille de sprite, qualité d'anime et tout, et feeling, franchement. Street 3-3, c'est vraiment. C'est un couronnement de la 2D, quoi. C'est un couronnement. Regarde les décors derrière, putain, la beauté des trucs. Bon, malheureusement, même avec cette version-là, Street Fighter 3 a quand même du mal et ça ne marche pas. Mais non, surtout, c'est trop dur pour des gens qui n'ont jamais joué à Street, c'est beaucoup trop dur comme jeu. C'est très différent. C'est vrai que c'est compliqué ce système de pari, les gens ne le comprennent pas, ils ne comprennent pas vraiment où Capcom vont venir. Il va falloir donc faire revenir très rapidement. Chun-Li ainsi que d'autres persos. Et ça ce sera dans Street Fighter Surstrike. On en parlera du coup juste après après la pause. Exactement. Avec Surstrike et du coup ce qui sera la suite 10 ans plus tard. Parce que entre pas de Street Fighter à part Hyper Street Fighter 2 que je vous ai montré là. Ouais, Hyper Street Fighter qui était un petit. Pas de Street Fighter. Ça parle de Guilty Gear dans les plus beaux jeux 2D, mais pour moi Guilty c'est différent. Pour moi, c'est pas du vrai pixel art, tu vois. Guilty, tu sentais que c'était des dessins qui étaient rescannés derrière. Ça fait que Guilty est magnifique, mais tu vois, pour moi, c'est une technique différente de DA Guilty Gear. C'est une technique différente, mais c'est du pixel art aussi, hein, je t'assure. Après, c'est pas des trucs dessinés. Ce qui donne le sentiment différent, c'est que ça, c'est un jeu donc à l'ancienne, 240p de résolution. Ouais. Guilty Gear est un jeu en 480p de résolution. Ah, mais j'ai l'impression que c'était vraiment des artworks d'animé, tu vois, ou de manga qui étaient vraiment redessinés, parce que c'était vraiment. Alors que ça, ou Mark of the Wolf... Ça reste dessiné au pixel, mais le truc avec Guilty, c'est que l'animation est infiniment moins bonne. Ouais, tu as beaucoup moins de frames d'animation. Ah, les étapes d'animation dans Guilty, c'est magnifique, c'est évidemment magnifique. C'est... Non, mais on est d'accord dans le chat, Guilty, on sait que c'est en 2D, c'est en pixel, tout ça, mais j'avais l'impression que c'était... Vraiment comme si le mec avait dessiné, qu'ils avaient redécalqué en pixel derrière. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est scratch, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'il y a une adaptation des artworks vers le pixel art. Parce qu'ils avaient la haute résolution pour le faire. Dans Guilty, tu as un passage qui est direct. Mais la différence de l'anime est quand même assez violente. On marque une pause et du coup, on se retrouve pour la fin
de cette rétrospective. Sir Strike et évidemment Street Fighter 4 qui arrive au bout de cette chaîne. 10 ans après, quand c'est même. Fou. On n'a pas fêté les 30 ans de Street 4 avant, à mon avis, très très longtemps. Petite pause, on se retrouve juste après.